Ben, d'après moi, effectivement, ça doit être autour de 10%. Actuellement, les concepteurs, moi je suis un concepteur de métier, on a des idées constamment, tous les jours. Des fois, ça n'a rien à voir, mais c'est juste une idée. Mais lorsque je veux vraiment faire quelque chose, le pourcentage s'élève. Je dirais, comme en publicité, je suis quelqu'un de paresseux, je ne veux pas perdre mon temps. Alors, je dirais que c'est probablement 50%. Mais, tu sais, vous savez, les mauvaises idées, c'est du fertilisant pour la grande idée. Alors, c'est très important d'avoir plein d'idées. Il ne faut pas se censurer. Et puis, on les affiche, là, on les mettait sur un mur, là, puis il y avait plein d'idées. Puis là-dedans, il y en a une petite. Mais si tu penses avoir une idée géniale en réfléchissant à deux, trois idées, ben tu peux y arriver si tu es chanceux. Mais si ton mur est rempli d'idées, ben c'est ça. Les mauvaises idées, c'est du fertilisant pour la grande idée. Voilà. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de réfléchir.